Salut les amis, est-ce que vous allez bien? Alors je suis en compagnie de Star Animation. Salut. Il a fait la route du 83 jusqu'à Toulouse pour venir me faire me filer un coup de main. Parce qu'on a fait toute la gestion lumière. J'ai voir sur les réseaux sociaux pour Nightfire. Vous verrez qu'on a fait quelques petits montages sympas. C'était très sympathique. Voilà. Et du coup on en a profité pour mettre la PG. Tout simplement. Et je voulais lui faire découvrir la marque. Pas déçu. Il connaissait, mais là ça y est, il est convaincu. Ah là. Voilà, donc je vais vous présenter le système son en totalité du coup. Alors nous avons la DS12S qui fait 350 watts RMS. Donc vous avez compris, c'est une 25 pouces. Voilà. Vous avez la deuxième qui est juste à côté. Voilà, c'est exactement les mêmes. On va faire toutes les têtes comme ça, au moins c'est fait. On a les DS15S. Vous imaginez bien que c'est une tête 15 pouces du coup. Voilà, qui fait 1000 watts RMS. Voilà. C'est du coaxial. C'est pas une enceinte de... Enfin, c'est une enceinte de voix. Mais en fait, vous avez le diaphragme. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est l'aigu. Au milieu du haut-parleur, en fait. Vous avez l'HP. Bah attendez, au pire, je vous montre celle-là. Comme ça, vu qu'elles n'ont pas les mousses. Vous avez le haut-parleur 15 pouces. Et en fait, au milieu, bah, vous avez le diaphragme, en fait. C'est l'aigu, quoi. Et du coup, vous avez une bonne dispersion du son. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le coaxial. Voilà. Bon, elles n'ont pas de mousse parce que ben, on les a reçues, mais on n'a pas eu le temps de mettre des mousses. Elles sont chez moi. Et voilà, c'est exactement les mêmes mousses que celles-là. Je me suis à choper les mêmes. Donc voilà. Ensuite, on a toujours les DS15S. On en a 4 en tout cas. Voilà. Et 4 Fusas. Voilà. On va partir sur les sols. Ouais. Yes. Ouais. Alors là, on a le TB115S qui fait 1150 watts RMS. Bah, c'est un caisson 15 pouces, du coup. Vous imaginez bien. Donc, de toute façon, la marque, ça fait toujours 15, 15, 15, 12, 12, 18, 18. C'est facile à comprendre. Voilà, c'est ça. Vous avez dans toutes les. c'est 15 ou c'est 18. Voilà, ou c'est 12. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Ensuite, on a les TB215S qui font 2300 watts RMS chacun. C'est donc le double de la puissance. C'est ça, c'est les mêmes haut-parleurs que les 115. C'est la même. Bon, par contre, c'est pas la même puissance. Ah, ça oui. Ça va pas se le cacher. Là, c'est le système qui. Les HP sont face à face en W. Donc là, il est en face. Il est en face à de l'HP. Voilà. Du coup, ils font chacun 2300 watts RMS. Ça amplifié par ici. Alors nous avons le SA20 qui fait 2 fois 1000 watts en 8 ohms et 2 fois 2000 en 4 ohms. Voilà. Nous avons le SA30, en fait c'est du power soft, hein. En gros c'est un K2 et un K3. En gros lui c'est un K2 et un K3 pour ceux qui connaissent mieux cela. Voilà, donc 2300 watts RMS. Non, 2006 il fait, pardon, excusez-moi. Oui. Il fait 2006, 2 fois 2006. Et ensuite, nous avons le processeur LPDS15S. Approche. Voilà, vous sélectionnez en fait votre enceinte. Enfin, le sub que vous avez. 15 pouces, 46, 38. Selon les gammes de chez APG, bien sûr, je précise. Ça, c'est les gammes TB118 et 115 et tout ce qui est. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est 146S, 138S de l'époque un peu. Ils sont sortis bien avant les TB. Donc du coup, moi je mets 15. Et vu que c'est un S, je mets un 15S. On a la fonction distant quand on est en extérieur. On a la phase. On peut aligner les fréquences. On a le FOH quand on l'utilise en monitor. En gros, on va dire, en monitoring. Et là, on a le volume pour les têtes. Si on veut un peu plus ou un peu moins. Et là, pour les subs également. Ici, on a la protection analogique. On met la puissance de notre ampli à peu près, voilà, qui va envoyer sur les subs. Et quand lui va dire y a un problème, en fait, si vous arrivez à pas mal, à orange par exemple, lui il va compresser le son, il va sécuriser le système, il va le protéger. Voilà, et on a la même chose pour les têtes en fait. Là, vous voyez, j'ai mis 1000 watts, il fait 1000 watts, en 8 ohms, voilà, c'est ce qu'il faut. Et en fait, tu as la protection ampli. Et température
Et le X de souvenir, c'est quand la bobine chauffe en fait. Non, c'est la température, c'est ça. Non, la température, c'est quand elle chauffe de la bobine. Voilà. De l'eau-parleur. Voilà. Alors, on a la sortie. Ça, c'est des patchs faits maison, du coup. On a ben, 4 sorties spicon. Et entrée et sortie XLR si on veut repartir sur un autre rack. Ici, je rentre en power con et je ressors pour alimenter un autre rack. Voilà. Donc du coup, ensuite bah, on a le même en haut. C'est exactement le même. Voilà, c'est ça, exactement le même. Donc rien à dire. Bon, là il y a la vitre du coup, mais là non. Mais ça c'est qu'un détail, on va dire. Ensuite, on a pour mes 12S, bah, deux sorties spicon. J'ai pas mis de sortie XLR, j'ai mis que entrée parce que elles vont me servir surtout de débouche ou de retour en fait. C'est tout. Donc bah, là pareil en fait, vous avez la sélection des subs. Vous voyez là le processeur il est dédié à la DS12S. Voilà. Vous sélectionnez votre sub. En fait, comme je dis précédemment, en fait, hein, distance, je vais le laisser parce que souvent je l'utilise en. Comme je disais, en front, enfin, voilà. Ensuite, du coup, j'ai désactivé sub, mais là, je peux le reactiver d'ailleurs. Donc, voilà, c'est fait. Du coup, ensuite, il est amplifié par, elles sont amplifiées par un Martin EMA1-4. C'est un power soft, hein, voilà. On va le voir juste après, de toute façon, je pense que vous l'avez vu en haut. C'est exactement le même que celui d'en haut, du coup. Ça, c'est un power soft M14D. Qui fait 2 × 360 de tête. 360, okay. Il me semble. Ouais, je crois qu'il y avait 10 watts d'écart. C'est ça, donc ça. Il prend 350, donc plus 10. Ouais, c'est ça, c'est ouais, ça. 360. Il fait 360 en 8 ohms, deux fois bien sûr. Et 2 × 700, le double, de toute façon, je crois. C'est ça. C'est ça, le double en 4 ohms. Du coup. Amplifié comme ça et là on a on fait tourner le système TB115 et 12S avec un power soft ben, K3. Vous voyez c'est exactement les mêmes amplis en fait hein. Et le K3 et en bas c'est les SA30, c'est juste que c'est RPG qui a rebadgé ses amplis. Je les trouve beaucoup plus jolis comme ça. Voilà. Alors oui, il n'y a pas de patch. Vous le saurez prochainement pourquoi. Voilà. Nous avons changé les racks d'ampli. Justement, avant c'était ceux-là. Exactement, c'était ceux-là. Du Fly Pro. Fly Pro. Moi, bon, je trouve que c'est pas très terrible. On l'a vu. Solidité, voilà, regardez, voilà. J'aime pas trop. Mais là, par contre, nous, on a investi sur du coup des 3 Fly Music Store. Voilà, c'est du bois 9 mm. Qui sont pas de base équipés de roues. Bon, nous, on les a équipés du coup. Il y en a 2 équipés de roues et un non équipé. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Effectivement, c'est bien équipé. Voilà. C'est du bon Fly Pro, voilà. Donc on passe de 7 mm à 9. Ouais. 9 ou 10. Voilà. 9. Avec des fermetures beaucoup plus solides. Enfin, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est très très quali, vraiment. Et en double rail, sachez-le, oui. Avant il n'y a rien. En double rail, de chaque côté il y a du rail. Voilà, et en plus, je vais dire quelque chose de plus. Ah oui, 129 euros le fly. Voilà, je dis rien. Et ben voilà, les amis, ben, c'était la présentation du système sans APG. Ben, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo en 2024. Ciao! Ciao!